Levons-nous pour évoquer le nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes honorés de ta présence alors que nous joignons nos cœurs et nos voix dans la louange et l'action de grâce pour ton salut, ta paix de l'esprit et l'espérance de ton retour. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il comble nos besoins dès aujourd'hui, dès cet instant, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Est-ce que la semaine a été bonne? Ça va? Alors, je sais que c'est vrai qu'on voulait absolument que 2020 puisse passer, qu'on puisse se dire, allez, nouvelle année, nouvelles ambitions, nouvelles directives. Et on voit que, nouveau confinement en vue, virus plus virulent, toujours un peu plus. On a quitté 2020 en se disant, bon, c'est parfait. On quitte une année entre guillemets noire pour de plus beaux jours entre guillemets, et malheureusement ça s'annonce aussi compliqué, voire plus compliqué que l'année dernière. Mais bon, il y a une chose qu'il faut que nous prenions avec joie, c'est que dans la Bible il est clairement écrit, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie pour bien se l'approprier. Quand vous verrez toutes ces choses extraordinaires se passer, quand vous verrez toutes ces choses, ces catastrophes qui n'ont jamais existé, ces confinements qui paralysent la population mondiale, sachez que mon retour est proche. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré ce contexte un peu délicat, on a toujours cette assurance, en tout cas, je vous invite à avoir cette assurance que la fin est proche et qu'il nous faut nous préparer pour son retour. Je souhaite à chacun d'entre vous une cordiale et chaleureuse bienvenue dans le nom de Jésus. À vous, derrière vos écrans, vraiment soyez à l'aise, participez avec nous dans ce moment qui sera particulier. Et je vais vous inviter à chanter avec moi un chant, mais avant cela, je vais quand même rappeler l'importance de la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'être humain est de plus en plus puissant. Les moyens technologiques le prouvent. En tout cas, ils vont en s'amplifiant et l'homme croit que sa puissance va aussi en augmentant. Mais cela fait aussi oublier l'autre réalité, celle de Dieu. En fait, plus l'homme pense qu'il est puissant, plus il se produit un détournement de confiance chez lui. Le message qui parle de la puissance de Dieu doit être sans cesse rappeler. Dieu est le Tout-Puissant. Je vais vous inviter à chanter avec moi et avec force le numéro 81 du GEM. La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Fais tomber tous les vers, la force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par
marcher, toujours pur, triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Ben, n'oublions jamais, nous avons des connaissances, mais au-delà de cela, Dieu a la toute-puissance. C'est vraiment, confions-nous en lui et nous aurons la victoire dans tous nos projets. Nous allons continuer avec un chant de victoire, très important. Est-ce que tout le monde ici est convaincu que Christ est ressuscité? Tout le monde est convaincu de cela? Parce que sinon, ça n'a pas de sens de se retrouver dans cette chapelle et de chanter et d'adorer si on n'est pas convaincu de cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité et il nous attend. À lui seul soit la gloire, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux sont triomphants, tout lieu soit exalté. Ah, soit la gloire et l'honneur au Sauveur, au puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche en lui toujours. Racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité. Christ est. Par lui nous vivrons. Par lui nous vivrons. Et dans l'éternité. Et dans les. Nous régnerons. Nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur. Sans Rédempteur, du sépulcre tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à
Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons entonner Oh la gloire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur. Merci du fait que tu sois notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur de cet amour que tu déverses sur nous chaque jour, Seigneur. Merci pour tes bienfaits à notre égard. Merci Seigneur, merci. Merci de ta présence dans nos vies. Merci Seigneur donc du fait que nous puissions nous retrouver ici dans ta maison, Seigneur, pour te louer, te glorifier. Merci aussi de la possibilité que tu donnes à ceux qui sont donc chez eux ou tout autre lieu de pouvoir suivre et d'être avec nous en ce matin, Seigneur, pour justement t'apporter ce culte qui t'est dû, Seigneur, dont tu es digne. Nous voulons que vraiment que tout notre corps, tout notre être entier, Seigneur, soit tourné vers toi et soit à ton écoute. Malgré cela, Seigneur, quelquefois, même si au cours de cette semaine tu as été avec nous, nous avons pu avoir quelques doutes, Seigneur. Nous avons pu nous détourner de toi. Et pour cela, nous te demandons humblement pardon, Seigneur. Pardon pour notre état, pardon pour nos fautes. Mais que nous ayons cette volonté, Seigneur, de te suivre, de réclamer ton Saint-Esprit et de vraiment te mettre au premier plan dans notre vie, Seigneur, dans tous nos projets, dans tout ce que nous avons que nous allons entreprendre et tout ce que nous voulons, Seigneur, réaliser donc pour toi. Je remercie ce matin ton Église dans son ensemble, Seigneur. Tu connais chacun d'eux, tu connais leurs besoins, tu connais aussi leur joie. Merci, Seigneur, leur réussite. Merci, Seigneur. Mais aussi, donc, tu connais totalement, Seigneur, les personnes qui peuvent être dans la détresse, dans la tristesse, dans le doute ou dans la recherche, Seigneur. Je te les confie en ce matin, Seigneur, que tu puisses les bénir, les accompagner, les réconforter, les soutenir. Nos malades, Seigneur, qui souffrent dans leur chair ou dans leur esprit, que tu puisses les guérir, Seigneur, que tu puisses leur apporter donc cette guérison dont ils ont besoin, dont tu te réclames. En ces temps donc anxiogènes où tout est négatif, Seigneur, tout est porté sur cette situation de crise et un nom qui revient donc sans cesse, Seigneur, donc la Covid, que nous puissions donc, bien sûr, respecter ce qu'il faut pour que nous puissions donc être à l'abri de ce virus, mais aussi, Seigneur, que nous puissions donc garder l'esprit et surtout notre attention tournée vers toi, que nous puissions rester donc, Seigneur, dans notre relation, de la conforter dans les études, dans bien sûr la lecture de ta parole, et que nous puissions être prêts, Seigneur, pour ton retour glorieux, que nous puissions pas, comme nous le disons souvent, Seigneur, nous préparer, mais surtout que nous puissions être prêts dès cet instant. Et que ton avènement, Seigneur, puisse venir, Seigneur, donc selon ce que tu auras décidé donc pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, donc vraiment de tes bienfaits et de ton amour.
Je remets entre tes mains donc Joël, ton serviteur, qui ira donc à parler en ton nom, Seigneur. Prends possession de lui. Tu lui as inspiré donc ce message, Seigneur, et qu'il puisse le délivrer et qu'il puisse nous toucher, Seigneur, que puissions être à son écoute. Nous t'apportons aussi donc ce qui t'est dû, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, que tu puisses les bénir et qu'elles puissent servir à l'avancement de ton œuvre. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans le livre donc, des Révélations, Apocalypse de Jean, au chapitre 3, et nous lirons les versets 19 à 22. Apocalypse, chapitre 3, les versets 19 à 22. Apocalypse, chapitre 3, versets 19 à 22. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu bénisse l'influence de sa parole dans notre cœur. Frères et sœurs, bonjour. À nos amis internautes également, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ, et puis notre salutation solennelle, Maranatha, nous qui attendons le retour prochain de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Je vous suggère de prendre des notes si ça vous dit, parce qu'il y aura beaucoup de versets, et peut-être que nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de les lire, de les chercher ensemble. Donc c'est une suggestion. Le titre du message ce matin, une famille victorieuse. Une famille victorieuse, mais en Jésus-Christ. Sans Jésus, elle ne pourra pas être victorieuse. Donc le message de notre Sauveur commun pour nous ce matin est tiré de la plume de l'apôtre Jean, de sa première épître, 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17. J'ai glané également quelques pensées d'auteurs expérimentés qui ne sont plus vivants, mais dont leurs écrits sont toujours encourageants pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Un message d'espérance donc pour la grande famille adventiste que nous formons. Et s'il est vrai qu'il n'y a pas de famille parfaite ici-bas, nous ne trouverons pas non plus dans l'immédiat d'église parfaite, puisque cette dernière est composée de familles. Néanmoins, la parole de Dieu ne ment point, et elle nous donne l'assurance que cette église militante que nous sommes, que nous formons, avec ses défauts, ses faiblesses, sera bientôt église triomphante, et peut-être même plus tôt que nous ne le pensions. Cet épître de Jean va nous rappeler également qu'une victoire improbable a été remportée sur le mont Golgotha, où toutes les puissances de l'enfer, avec Satan à sa tête, s'étaient liguées pour que le Fils de Dieu ne nous arrache pas de ses liens. Mais la victoire fut remportée grâce à un principe inouï, appelé agapé, l'amour fou de Dieu pour une humanité insouciante, ingrate, égarée,
aveuglés et désespérément perdus. Un amour qui a poussé l'innocent à prendre la place des coupables, la place de tous les criminels, les pédophiles, les violeurs, les sorciers, les menteurs, la place de tous les barabbas, que nous étions. Oui, cet amour inouï, inexplicable, qui a poussé Dieu à donner Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ainsi, par ce sacrifice, ce don de soi total, Christ nous offre une victoire magistrale sur le péché, sur le monde et la seconde mort. À tous ceux qui le veulent, désormais, personne n'est plus obligé de demeurer dans un quelconque esclavage. Et l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé, qui a expérimenté l'ardeur de cet amour et de cette victoire, a voulu rappeler à tous les chrétiens de toutes les époques que cette victoire est aussi la leur. Et elle est aussi la nôtre. Avec tout ce qui vient d'être dit en introduction, nous pouvons apprécier maintenant les déclarations de l'apôtre. Alors, nous allons faire lecture dans la première épître de Jean, chapitre 2, les versets 12 à 14. 1 Jean 2, versets 12 à 14. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » C'est la parole de Dieu qui le déclare. Tout d'abord, l'apôtre englobe toute la famille de Dieu dans l'expression « petits-enfants » au verset premier. Ici, ni l'âge, ni le développement spirituel ne rentrent en ligne de compte. L'apôtre s'adresse à tous ceux qui appartiennent au Seigneur et donne en même temps l'assurance que la rémission des péchés s'avère désormais une réalité merveilleuse pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ça, c'est rassurant. Retenons fermement tout de même que nos péchés sont pardonnés à cause de son nom. C'est grâce à Jésus-Christ que Dieu pardonne nos péchés. Ce n'est ni grâce à Mahomet, ni grâce à Confucius, ni grâce à Krishna, ni grâce à Marie, ni grâce à un ancien, un époux, à une épouse, mais le texte nous dit c'est grâce à Jésus-Christ. Dans la première épître au chapitre 2, les versets 1 et 2, il est confirmé ceci. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Observons que l'apôtre affirme « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. » Il ne dit pas « auprès de Dieu », mais « auprès du Père ». Qu'est-ce à dire? Ce qui veut dire qu'il demeure notre Père même s'il nous arriverait à glisser, à chuter. Cette précision nous rappelle une vérité précieuse et rassurante, que même si le péché dans la vie du croyant interrompt sa communion avec Dieu, il ne détruit pas sa relation avec lui. Alors, confirmation tirée d'une citation de l'ouvrage « Vers Jésus, page 63 », nous lisons ceci. « Nous devons souvent nous prosterner aux pieds de Jésus pour y venir pleurer sur nos manquements et nos erreurs. »
Mais ce n'est pas une raison pour nous laisser aller au découragement. Même si nous sommes vaincus par l'ennemi, nous ne sommes pas repoussés, délaissés, ni rejetés par Dieu. Et le diable, en revanche, voudrait nous convaincre du contraire. Rappelons-nous qu'il est menteur dès le commencement. Et si vous constatez que vous êtes un chrétien vaincu, ne rompez jamais vos relations avec Jésus, car c'est uniquement par lui que vous pouvez triompher dans la vie chrétienne. Le découragement est arme du diable, les amis. Et quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu et Dieu devient notre Père et rien ne pourra jamais, jamais modifier cette relation. Un fils, certes, peut déshonorer son père, mais il n'en demeure pas moins son fils en vertu de sa naissance. Rien ne peut changer cela. Revenons à notre texte du début, 1 Jean 2, versets 12 à 17. Vous avez observé que le verset 13 et le verset 14, Jean s'adresse au Père. Donc ce sont les mêmes. Ce sont ceux qui ont, en quelque sorte, atteint une certaine maturité dans la vie spirituelle. Et à deux reprises également, les jeunes gens sont présentés comme ceux qui sont forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La répétition du message vise donc à souligner la certitude de leur appartenance à la famille de Dieu. Et ils ont vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en eux. Une vérité à marteler ce matin, frères et sœurs, et à tout jamais. Ils ont vaincu le malin parce que la parole de Dieu demeure en eux. Pas parce qu'ils sont beaux, pas parce qu'ils ont plein de diplômes, pas parce qu'ils ont beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, rien de tout cela. Mais parce que la parole de Dieu demeure en eux. Et ça, c'est vital, c'est primordial. À vous, parents, enfants, vous serez forts si la parole de Dieu demeure en vous. C'est une vérité évangélique et nous devons nous l'approprier au nom de Jésus. Le Seigneur lui-même a pu vaincre Satan dans le désert en citant les Écritures. Et il est important pour chacun d'entre nous de se nourrir sans cesse de la Bible afin de pouvoir s'en servir à bon escient pour contrer les attaques du malin. Apocalypse 3, verset 10, c'est un texte que j'affectionne particulièrement où il nous est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et nous y entrons, frères et sœurs, nous y entrons lentement mais sûrement. Et c'est parce que nous aurons été fidèles à cette parole de persévérance, dit Jésus, que je vous garderai aussi à l'heure de la grande tribulation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Si nous voulons demeurer fermes pendant le temps d'épreuve, nous devons maintenant, pendant cette période de paix, obtenir une expérience vivante des choses divines. Maintenant, nous devons apprendre à comprendre quelle est l'œuvre profonde de l'Esprit de Dieu. En toute chose, Christ doit être notre tout, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et puissions-nous bien comprendre, frères et sœurs, ce matin, ce que Dieu veut nous dire par son Saint-Esprit. Les expressions « Père », jeunes gens, petits enfants, ces désignations signalent trois étapes dans la croissance spirituelle au sein de la famille de Dieu. Les pères, on va dire les parents, sont évidemment ceux qui sont censés être les plus matures spirituellement, qui ont une connaissance profonde de Dieu. Ils donnent l'exemple, ils donnent le bon exemple. Les jeunes gens représente les chrétiens qui découvrent la sainte doctrine, mais ne sont pas toutefois encore parvenus par l'expérience de la vie à une pleine maturité dans la connaissance de Dieu. Mais ils sont en marche et peuvent s'opposer courageusement aux péchés et aux erreurs des faux docteurs parce que, nous dit la Bible, la parole de Dieu est en eux. Cette parole joue un rôle extrêmement important dans la vie du chrétien, voire même primordial. C'est ce que nous révèle Paul dans son épître aux églises, aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 4, versets 14 à 15, nous lisons ceci.
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Les petits-enfants, bien entendu, possèdent qu'une connaissance élémentaire de Dieu et ont besoin de grandir davantage. C'est normal. Mais toutes ces catégories font partie de la famille de Dieu et reflètent à des degrés différents le caractère de Christ, selon la manière dont chaque famille va recevoir les enseignements de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre lecture dans la première épître de Jean, chapitre 2, les versets 15 et 17. N'aimez point le monde, nous dit l'apôtre, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, ces versets nous mettent en garde avec vigueur contre le monde et ses tromperies. Les compromis avec ce dernier sont cause de beaucoup d'échecs, de désillusions, de tragédies dans les familles et par conséquent dans l'Église de Dieu. Et peut-être que ce passage s'adresse-t-il principalement aux jeunes gens, mais il s'agit aussi d'un avertissement qui s'applique à l'ensemble du peuple de Dieu. Et que de sermons faits sur ce thème, n'aimez point le monde. Mais il est urgent, frères et sœurs, urgent et extrêmement important que nous comprenions qu'il ne peut pas avoir de compatibilité entre le monde et les enfants de Dieu. Aimer le monde fait de nous des ennemis de Dieu, nous dit Jacques. Jacques 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors qui parmi nous voudrait être aussi insensé pour se déclarer être ennemi de Dieu ? On peut voir les mains ? Puissions-nous parvenir à comprendre tout ce que impliquent nos rapports vis-à-vis du monde ? Sachons déjà que le monde dont il est parlé ici ne désigne ni la planète sur laquelle nous vivons, ni la création qui nous entoure. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, il s'agit plutôt de l'ensemble du système érigé par l'homme, inspiré par l'ennemi de Dieu, dans le but d'être heureux sans Christ. Folie déjà, être heureux sans Christ, est-ce possible ? Le psalmiste déclare dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Donc sans Jésus, on va droit au mur. Ce système peut inclure le monde de la culture, de l'opéra, de l'art, de l'éducation. En un mot, tout domaine d'où l'amour du Seigneur Jésus serait exclu. Ce système, donc, c'est la société humaine organisée sur de faux principes et caractérisée par de vils désirs, de fausses valeurs et par l'égoïsme, avec un grand E. Et nous sommes exhortés par notre Seigneur à ne pas aimer ce monde, ce système de pensée, pour la simple raison que l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour du Père. Tout ce que le monde a à offrir peut être décrit comme la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair se rapporte au désir sensuel issu de notre nature mauvaise. La convoitise des yeux se réfère au mauvais désir suscité par ce que nous voyons. Et l'orgueil de la vie se caractérise par une ambition profane pour l'apparat et la gloire éphémère, le m'as-tu vu ? Et ces trois aspects de la mondanité apparaissent très clairement dans le péché d'Ève au départ. Ève, elle vit que l'arbre était bon à manger. Il s'agit de la convoitise de la chair.
L'arbre était agréable à la vue, il s'agit de la convoitise des yeux. C'était un arbre qui devait rendre sage, il s'agit ici de l'orgueil de la vie. Et comme le malin s'oppose à Christ, pardon, et la chair à l'esprit, de même le monde est hostile à Dieu. Les appétits sensuels et tout ce qui les suscite, certaines tenues vestimentaires entre autres, l'avarice et l'ambition malsaine ne viennent pas du Père, mais trouvent leur source dans ce système, le monde. La mondanité consiste à aimer les choses qui passent. Cependant, le cœur humain ne trouvera jamais satisfaction dans le matérialisme. Le psalmiste déclare dans le psaume 4, versets 8 à 9, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le Seigneur est capable de nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. Plus que toutes les festivités, plus que ceux qui gagnent peut-être un loto ou autre. Vous savez, lorsque les compatriotes de Jésus lui demandaient pourquoi cherchait-il à se singulariser, à différencier d'eux, il répondait « Heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi de l'Éternel. » Merci, frère. Merci beaucoup. Merci. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne participait pas aux amusements de la jeunesse de Nazareth, il disait, il est écrit, « Je trouve autant de joie à suivre tes enseignements qu'à posséder tous les trésors du monde. Je ferai mes délices de tes préceptes. » Puissions-nous, par la grâce de Dieu, parvenir à nous exprimer ainsi. Il n'y a que deux puissances qui contrôlent les esprits des hommes, frères et sœurs. La puissance de Dieu et celle de Satan. Le monde entier est sous domination satanique. Et je n'invente rien, c'est ce que déclare la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 19 déclare « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Je répète, le monde entier est sous la puissance du malin. Est-ce que nous voudrions rester encore sous cette puissance ? Non, grand jamais. Considérons attentivement le livre de la Genèse et vous verrez que le péché prit naissance au chapitre 3 et qu'au chapitre 4, autre chose viendra s'ajouter. Qu'est-ce que c'est ? C'est le monde inventé par Satan. Le monde, le système de toute vie humaine sous le contrôle de Satan, et le terme grec utilisé est « cosmos » qui signifie « un système ». Dieu créa l'homme pour lui-même. Mais Satan a systématisé l'humanité, on va dire. Après la chute, Satan utilisa toutes les nécessités de la vie, telles que la nourriture, l'habillement, logement, mariage, etc. Tout cela à ses fins. Alors que Dieu créa ses besoins et les prescrivit pour l'existence humaine, Satan les usurpa pour systématiser toute l'humanité. Et ce système satanique est appelé le monde. C'est pourquoi la parole de Dieu nous déclare « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et Jacques nous déclare que l'amour du monde est un adultère. Terrible. Et ce n'est nullement parce que Dieu ne nous aime pas qu'il nous donne ses conseils. Non, bien au contraire, il nous donne même le moyen d'en triompher. 1 Jean 5, verset 4, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Frères et sœurs, nous devons retenir un principe de base. C'est-à-dire que tout ce qui empêche, tout ce qui ralentit notre vie spirituelle dans le Seigneur vient du monde. Peut-on définir complètement ce que c'est le monde ? En fait, le monde, c'est tout ce qui tue notre zèle pour prier Dieu, par exemple. Si la télévision ou la tablette ou la console de jeu ou bien autre chose me prive d'un temps de qualité avec le Seigneur, je suis peut-être déjà contaminé par l'esprit du monde
et c'est certainement plus inquiétant que la COVID-19. Le monde, c'est tout ce qui ôte notre intérêt pour la parole de Dieu. Oui. Que nous soyons parents, jeunes gens, jeunes filles, sachons qu'il y a certaines musiques que nous affectionnons à tort, nous persuadant qu'elles sont sans danger. Nous nous trompons assurément et elles finiront tôt ou tard par étouffer notre vie spirituelle comme un piton. Je vous le dis très fraternellement, sans aucun jugement de ma part. C'est une erreur de croire qu'il suffit de mettre quelques paroles de la Bible sur une musique pour qu'elle soit classée spirituelle. C'est pas vrai. Il n'y a pas malheureusement que la musique. Il y a ces films qui font l'apologie de l'adultère, la fornication, où l'on couche dès le premier rendez-vous, et dont il arrive parfois que nous soyons friands. Malgré nous, on a du mal à zapper. Que personne ne se sente visé ce matin. C'était juste pour dire qu'en passant, qu'un inspirateur de ces films et de ces genres de musique n'est certainement pas le Saint-Esprit. Le monde, c'est tout ce qui nous gêne pour témoigner devant les hommes. Le monde, c'est tout ce qui empêche quelqu'un de venir au Seigneur ou d'aller vers la confession. Et toi qui m'écoutes ce matin, qui que tu sois, père, mère, jeune gens, jeune fille, tout ce qui t'empêche de te donner entièrement, totalement à Jésus est du monde. Alors en ce temps de grâce, temps solennel où personne n'a la garantie absolue de voir le lendemain, réfléchissons bien, prions sincèrement pour savoir ce qui nous empêche de donner notre vie totalement à celui qui n'a pas hésité un instant à quitter le ciel, sa gloire pour nous, alors que nous voyons que ce monde arrive à sa fin à grande vitesse. Combien ce serait triste de s'entendre dire par le Seigneur, « Je vous ai jamais connu. » Je le répète, ce principe général, tout ce qui freine, tout ce qui ralentit, tout ce qui bloque notre condition spirituelle devant le Seigneur vient du monde. Et beaucoup de nos traditions ont leur source dans le paganisme, teinté d'influences sataniques, et nous devons rejeter tout cela. La Bible nous rappelle que, comme les Hébreux, nous avons été séparés de l'Égypte et que nos regards se portent vers la terre promise. Et comme pour les Hébreux, la base de cette séparation, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui nous a rachetés. Les Égyptiens n'avaient pas été rachetés par le sang, parce qu'ils n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte, comme demandé par Dieu à Moïse. La Bible est claire là-dessus. Les gens du monde qui n'auront pas accepté le sacrifice de l'agneau, Jésus-Christ, en leur faveur, seront perdus. Pourquoi ? Parce qu'ils auront méprisé le prix de leur rachat. Et en tant que rachetés, nous avons été transférés dans un autre monde, nous dit la Sainte Bible. C'est pourquoi nous devons quitter celui-ci. C'est ce que nous lisons dans Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. L'achat implique toujours le fait d'emporter, n'est-ce pas ? Si j'achète quelque chose, une machine à laver, un ordinateur, ces articles sont emportés hors du magasin. Sommes d'accord ? Alors souvenons-nous que puisque le sang de Christ nous a rachetés, nous devons être emportés hors du monde. Ceux qui ne sont pas rachetés peuvent rester, c'est leur choix. Mais dès qu'une personne est rachetée, elle doit partir, sortir. Non pas qu'elle ira se cloîtrer dans un monastère, non. Ce fameux slogan « dans le monde mais pas du monde » doit être plus que de simples mots, mes amis. C'est pourquoi il nous faut bien comprendre la signification de notre engagement baptismal, tout un chacun. Les vœux que nous prononçons lors de notre baptême ont une signification très étendue. Le baptême, c'est la renonciation solennelle au monde. Ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès leur entrée dans la vie chrétienne, déclarent publiquement qu'ils ont renoncé à suivre Satan et sont devenus membres de la famille royale, enfants du roi des rois. 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18. « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » Quand une personne est rachetée, elle ne peut qu'aller qu'avec le Seigneur.
C'est ce que traduit la parole sacrée, transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et Apocalypse 14, verset 4 dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Et eux, ils recherchent également les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tout ce qui est incompatible avec le Seigneur doit être délaissé. Nous allons rien porter au ciel, frères et sœurs. Seulement notre caractère que nous allons emmener. Rien d'autre. Il faut également que nous comprenions une fois pour toutes ce principe. Puisque notre Seigneur a souffert l'humiliation sous la terre, nous ne devrions pas rechercher la gloire ici-bas. Puisque notre Seigneur a été crucifié comme un malfaiteur, nous ne devrions pas chercher à tout prix à être bien reçus partout. Et quand notre Jésus était sur la terre, il a été accusé d'avoir un démon. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens disent tout le temps, ils sont intelligents, ils sont formidables, ces adventistes du septième jour, qui sont des gens de bien. Beaucoup le reconnaîtront, certes, mais beaucoup d'autres diront le contraire dès que vous annoncerez vos vraies valeurs. Sachez-le. Et ceux qui sont adventistes de très longue date. Savez-vous, vous rappelez-vous comment on vous a appelé à l'époque, la Martinique ou Guadeloupe, je ne sais pas pour la Réunion, pour Haïti, comment on les appelait? Adventiste boudinastique, bête à diable. Hein? Et ça va faire sourire nos enfants peut-être? Eh oui, pour ceux qui le connaissent là. Pourquoi il y avait cette hostilité? Pourquoi cette méchanceté? Eh bien parce que les adventistes se distinguaient des autres. Ils allaient à contre-courant. Et aujourd'hui, presque tout le monde se rassemble. Tout le monde semble aller dans la même direction. La tendance malheureuse est de suivre tout ce que fait le monde. Entre nous, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, princes et princesses de Dieu, avec tous les titres de noblesse que nous pouvons avoir, aurions-nous peur de la différence? 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Nous devons traverser le chemin que notre Seigneur a traversé. Le renoncement, l'abnégation, l'humilité, la simplicité, qui sont la substance même des enseignements de Jésus-Christ. Et tout ce qui est incompatible avec le Seigneur doit disparaître. Le Seigneur a dit que l'esclave n'était pas plus que son maître et que le disciple n'était pas plus grand que son maître. Si le monde a traité Jésus, lui le maître, d'une certaine façon, nous ne devons pas nous attendre à être traités d'une meilleure façon. Pour suivre Jésus de Nazareth, nous devons être prêts à souffrir l'humiliation. Ce n'est pas une action qui apporte la gloire. Lorsqu'on parle de souffrance, ça ne réjouit pas toujours. Mais écoutez l'expérience de l'apôtre Paul, Philippiens 4, versets 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Suivre Jésus de Nazareth veut dire porter la croix. Philippiens 1, verset 29 également. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce. Considérons encore l'apôtre Paul, qui a réellement rencontré Jésus-Christ, Galates 6, verset 14, où il dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Oui, frères et sœurs, le monde est contre notre Seigneur. Si notre cœur est ouvert et bien disposé devant le Seigneur, et si nous allons vers lui, la différence entre le monde et la croix deviendra spontanément claire pour nous. Dès que nous approchons du Seigneur, nous découvrirons ce qu'est le monde et ce qu'il n'est pas. Il nous suffit de demander quelle est ma relation avec ce sujet et quelle était la relation du Seigneur Jésus avec celui-ci pendant qu'il était sur la terre. Tant que notre relation au monde est la même que celle du Seigneur, tout va bien. Si notre position est différente de celle du Seigneur, nous sommes dans l'erreur.
L'agneau a été immolé et nous suivons l'agneau partout où il va. Nous sommes ceux qui suivons l'agneau partout où il va. Nous nous alignons avec la position du Seigneur. Tout ce qui n'est pas digne du Seigneur ou qui se lève contre le Seigneur appartient au monde et nous devons nous en éloigner. Permettez-moi de résumer ce qui a été dit déjà. Nous avons été séparés de l'Égypte et nos regards se portent vers la terre promise. La base de cette séparation, c'est le sang de Christ qui nous a rachetés. Et en tant que rachetés, nous avons été transférés dans un autre monde et nous pouvons dire merci Seigneur. Par conséquent, les citoyens de cet autre monde que nous sommes, nous avons des valeurs autres que celles du monde. Ces citoyens sont irréprochables, nous dit la Bible. Pas parfaits, mais cela signifie qu'aucune charge ne peut être retenue comme contre de telles personnes. Ça peut exister ici-bas, on pourrait se poser la question. Je réponds oui, la Bible répond oui, c'est peut-être en voie de disparition, mais oui, il en a existé, et c'est encore possible, par la grâce de Dieu. Daniel 6, versets 3 à 4. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Écoutez la suite. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Surprise. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Une personne irréprochable peut pécher, ça peut arriver. Mais elle s'excuse, confesse et répare ses torts quand c'est possible. Les enfants de Dieu, nous dit la parole de Dieu, doivent être irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Apocalypse 14, verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Sophonie 3, verset 13. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils péteront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Par leur vie consacrée, engagée, ils brilleront comme des flambeaux au milieu des ténèbres de ce monde. Et plus la nuit sera obscure, plus leur lumière brillera. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 6. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 17, 1 Jean 2, 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Frères et sœurs, quand une banque est en faillite, les personnes avisées n'y déposent plus leur argent. Normal. Quand les fondations d'un bâtiment chancellent, les constructeurs qualifiés suspendent leur action. C'est normal. Concentrer ses énergies sur ce monde est folie. Ainsi, mes frères et sœurs, sages en Jésus-Christ, nous ne pouvons plus adhérer à un monde qui passe, à un monde en banqueroute. Ce que nous pouvons et devons peut-être encore faire par la grâce de Dieu, c'est d'intercéder et voir dans quelle mesure nous pouvons orienter le regard vers l'agneau qui ôte le péché du monde. Jude s'exprime en ces termes, « Sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la volonté de Dieu qui nous délivre de la tentation des choses qui passent. Et le prophète Ésaïe nous montre la voie par excellence. Le livre que nous étudions ce trimestre à l'école du sabbat, Ésaïe 55, versets 1 à 3, une invitation qui est adressée à tout un chacun. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?
Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Invitation adressée continuellement encore aujourd'hui par notre Seigneur Jésus. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Lorsque nous lisons dans Rayon de Santé, page 324, il est dit que ces paroles, ce verset que je viens de lire, ces paroles sont une prescription pour la guérison de tous les maux, qu'ils soient physiques, mentaux ou spirituels. Mais c'est super, mes amis. Et dès que nous entrons, alors, dans le livre de Jésus-Christ également, il est dit que dès que nous entrons dans le repos de Jésus, le ciel commence ici-bas. Et vous m'entendez, le ciel commence ici-bas. Dès que nous entrons dans le repos de Jésus, venez, apprenez de moi, nous répondons, nous allons à lui, et pour nous commence la vie éternelle. S'approcher constamment de Dieu par le Christ, c'est le ciel. Et plus nous demeurons dans ce bonheur céleste, plus nous voyons la gloire s'ouvrir devant nous, plus nous apprenons à connaître Dieu, plus intense est notre bonheur. Aussi longtemps que nous marchons avec Jésus, nous sommes comblés par son amour, rassasiés par sa présence. Jésus-Christ, page 323. Que du bonheur, les amis. Alors, père, mère, jeunes gens, jeunes filles qui êtes l'église d'aujourd'hui, et petits-enfants, église de demain, et Dieu sait comment les lendemains arrivent vite. Alors, pour être des familles victorieuses et faire partie de la grande famille triomphante, nous devons savoir d'où nous sortons, qui nous sommes. Nous devons reconnaître notre identité et nous rappeler que nous ne sommes que des résidents, des passagers ici-bas. Et très bientôt, assurément très bientôt, nous partirons, nous laisserons tous ces fastes éphémères de ce monde. Et comme dit la chanson, bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur, nous verrons le Seigneur. Pour conclure, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à considérer avec moi l'expérience d'un jeune homme qui s'appelait Asa. C'était un roi d'Israël. Dans 2 Chroniques 14, versets 1 à 6. Considérez l'expérience de cet homme afin de voir si Dieu n'aurait pas quelques conseils judicieux à nous prodiguer ce matin pour toute la durée 2021. 2 Chroniques 14, versets 1 à 6. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. C'est magnifique, ça commence bien. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Verset 6, il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent et réussirent. » Observons que pendant ce temps de repos, Asa n'est pas resté oisif. Il n'était pas négligent. Il va bâtir des villes fortes, verset 5. Et nous, mes amis, nous avons eu durant un an bénéficié d'un repos. Un repos forcé, on va dire. Hein? Ok. Mais comment avions-nous utilisé ce temps? Avions-nous bâti une relation plus forte avec le Seigneur? Une relation plus forte avec la famille? Avions-nous su reconsidérer nos priorités? Avions-nous maintenu nos armes en bon état de fonctionnement? Avions-nous reconsidéré notre communication?
afin d'éviter frustration, déception et désordre inutile. Nous lisons la démarche intelligente d'Asa au verset 6. Nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Pour réussir, nous l'avons compris, il nous faut ce repos de l'âme. Repos céleste que seul Jésus-Christ peut donner. Ceux qui sont agités réussissent guère. Et s'ils réussissent quelque chose, c'est à quel prix ? À quel prix ? Parfois, c'est au détriment de la santé, la famille, à cause d'une pression, d'une tension infernale et malsaine qui conduit parfois au burn-out et parfois même au suicide. Et je m'en voudrais terriblement de ne pas vous donner la fin. Donc, poursuivons vraiment. Pour terminer, nous lirons donc au chapitre 15, 2 Chroniques chapitre 15, verset 2 déjà. Et découvrons ce qui suit. Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit. Et ce message peut s'adresser à nous également, à tout le peuple adventiste du septième jour. Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Versets 8 à 12. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. Car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel Dieu était avec lui. On peut s'arrêter quelques secondes sur ce verset. Lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui, donc beaucoup d'autres personnes se joignirent à Asa. Il y a une prophétie extraordinaire dans Zacharie 8, verset 23. Je n'ai pas la prétention de l'expliquer totalement, mais écoutez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Puisse les temps qui viennent, de par notre témoignage, que les gens puissent avoir envie de venir avec nous. Je vais aller à votre église. Où adorez-vous Dieu ? Puisse le Seigneur réaliser cela pour nous, frères et sœurs. Donc, cessons de nous agiter. Voilà l'exemple qui nous est donné. Le Saint-Esprit nous dit, venez et plaidons. Nous l'avons vu sabbat dernier. Ésaïe 30, verset 15, notre dernier verset. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Je suis certain que beaucoup, même vous tous, vous voulez, comme Asa, expérimenter la proximité de Dieu. Je suis certain que les cœurs soupirent après une vie plus stable, une expérience plus riche avec Jésus. Alors, juste après un chant, je vous inviterai à une prière de consécration. Je vais demander à Sylvie de me rejoindre. Nous allons entonner un cantique. Ce sont les paroles du cantique numéro 38. Okay. Abandonne ta vie. Non, c'est un peu trop haut, on va prendre un peu plus bas, merci. Abandonne ta vie.
tes craintes osées, tes vœux à la grâce infinie du Souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, pour que ton œuvre avance, sur lui fixe les yeux. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur. Il brisera tes chaînes, tout est dans du Seigneur. Tu vois dans ta tendresse, Père compatissant, puissance transforme en sa faveur le deuil en délivrance, la tristesse en bonheur. Espère à me charger, trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, merci pour votre indulgence, c'était pas évident, du haut, du bas. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour l'amour que tu as manifesté envers nous en envoyant ton Fils unique Jésus
mourir à notre place. Oui, Seigneur, nous te remercions infiniment. Nous venons devant toi ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour te renouveler notre engagement à toi et te dire que nous t'aimons malgré nos maladresses et nous voulons t'adorer toi seul. Père, nous t'appartenons, quel qu'en soit le prix, que ta volonté soit faite dans notre vie, aujourd'hui et à toujours. Puissions-nous réaliser pleinement que nous ne sommes pas ici-bas pour accomplir nos propres desseins, ni pour chercher notre propre réussite ou notre propre gloire. Puissions-nous, par le Saint-Esprit, comprendre que nous ne sommes pas non plus ici-bas pour gagner le succès ou l'intérêt des gens selon les critères de ce monde. Nous voulons te plaire, ô Dieu, toi seul, toi le seul, l'unique vrai Dieu. Apprends-nous à te connaître, à t'aimer, à t'obéir et à te glorifier. Puisse ton peuple, ô Seigneur, des quatre coins du globe, puissions-nous tous faire toujours ta joie par le Saint-Esprit. Jette un regard favorable sur ton peuple. Entends nos cris, vois nos soupirs, nos faiblesses, nos addictions, nos limites. Viens, visite-nous par ton Saint-Esprit au quotidien. Et donne-nous de réfléchir, Seigneur Dieu. Donne-nous de reconsidérer nos voies. Que nous puissions reconnaître au travers des signes de tout ce qui se passe autour de nous, que nous puissions reconnaître que tu es vraiment, mais vraiment à la porte. Et que tout un chacun, chaque famille, chaque parent, chaque jeune, tout un chacun, que nous puissions renouveler notre engagement avec toi tout le jour. Baptise-nous du Saint-Esprit et que nous puissions faire ta joie. Nous t'avons invoqué au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours avec moi par une chaîne d'amour, concitoyens. Nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours. Chaîne d'amour, nous sommes unis dans la famille, car je nous dis à toujours par la chaîne d'amour. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Allons en paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que les Jack et vous accompagneront pour la sortie, nous chanterons Comment expliquer. Si grand, si grand.
puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'elle demeure meilleure. Tu es, mais je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entre en mon cœur, c'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. J'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Dans le chant d'amour que tout est racheté, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors tout notre amour, alors entends nos cœurs une dernière fois, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bonne semaine à tous, bon sabbat et bonne semaine à tous. À sabbat prochain.